Phonologie. Nous revoici pour travailler sur le son. De narine. Aujourd'hui, je vais te donner des mots et tu vas me dire si tu entends le son N, le son M, au début du mot, dans la première syllabe d'attaque, ou à la fin du mot, dans la syllabe de rime. Tu es prêt? Écoute bien. Le premier mot, c'est trottinette. Alors d'abord, on compte les syllabes et après, on essaye de trouver où se trouve le son m. On y va. Trottinette. Trottinette. Trois syllabes et on entend m. Trottinette. À la fin. Dans la dernière syllabe. Donc, trottinette, on va le ranger ici, où on entend le son N dans la syllabe de rime. Attention, nager. Nager. Réfléchis. Nager. Il y a deux syllabes. Nager. Où est-ce qu'on entend le N? Dans la première syllabe, c'est celui-ci. Nager. Domino. Do-mi-no. Trois syllabes. Maintenant, où est le N? Le N. Do. Non. Mi. Non. No. Il est à la fin. Ici, il y en a trois. Do-mi-no. Dans la syllabe de rime. On continue. Piano. Piano. Maintenant, compte les syllabes. Pia. No. Où est-ce qu'on entend le N? Pia. No. On l'entend dans la deuxième syllabe, à la fin, à la rime. Pia. No. Un deuxième, encore un autre. Panneau. Panneau. On y va. Pa. No. Où est le N? Pa. On n'entend pas N. No. No, on entend N. C'est celui-là encore, la syllabe de rime. Pa. No. Lune. Lune. Alors, lune, à l'oral, il n'y a qu'une seule syllabe. Lune. Donc, s'il n'y a qu'une seule syllabe, au milieu, il n'y a qu'un point à mettre. Dessiner. Dessiner. Écoute bien, compte les syllabes. D-si-ner. D. Si. Né. D. Si. Né. Le N est à la fin, à la syllabe de rime. Lunette. Lunette. D'abord, les syllabes. Lu. Nette. Il y en a deux. Lu, net. On entend net dans la deuxième syllabe. Lu, net. Le son n se trouve donc dans la syllabe de rime à la fin. Vétérinaire. Vétérinaire. Il est plus long ce mot. On y va. D'abord les syllabes. V, T, RI, NER. Quatre. Maintenant, il faut bien écouter pour savoir où est le son M. V. T. RI. NER. NER. Il est là, à la fin. V. T. RI. NER. Il y a quatre syllabes et on le trouve dans la syllabe de rime. À toi de jouer maintenant avec ton ardoise
et la vidéo qui va suivre. Bon travail!